reproduction terme. L'hindouisme au Canada. Pierre, tu ne veux jamais devenir ce que j'ai appris sur le bilinguisme. Quoi, Sally? Canada, 72% de personnes aiment l'idée du bilinguisme, mais seulement 53% de personnes sont bilingues. Mais 50% de Canadiens hors de Québec pensent qu'il y a trop d'efforts qui est mis en supporter le bilan du lit. Ça fait du sens parce que 2,4 milliards de dollars de la monnaie d'impôt est utilisée pour les services bilans. Oh mon Dieu, nous sommes dans le passé! Oui, c'est 1867. Cette année, l'Acte d'Amérique du Nord-Britannique a été établi. Le français est maintenant une langue législative et judiciaire dans les institutions au Québec. Mais en 1965, presque 100 années plus tard, seulement 17% des Canadiens vivant hors de Québec voulaient utiliser la finance publique pour assurer le financement des écoles françaises comme celle-ci. En 1969, 4 années plus tard, le travail de la Commission royale a commencé l'utilisation de la langue française au Canada. Ceci avait un gros impact sur le bilinguisme au Canada et l'importance aujourd'hui. C'est quoi ça? C'est le futur! Tout le monde a des différentes opinions à ce qui va arriver au sujet du bilinguisme au Canada, alors c'est un mystère. Thanks.